Salut tout le monde, moi je m'appelle Mélanie. Re-bienvenue sur ma chaîne Sweetie Mel Bricks. Et merci de vous joindre à moi et Timinou aujourd'hui pour cette courte vidéo dans laquelle je vais ouvrir deux paquets que j'ai reçus d'une commande que j'ai passée sur Bricklink en début de semaine. Et j'ai hâte de pouvoir les ouvrir pour voir si tout est à l'intérieur ce que j'ai commandé. Alors restez avec moi et j'espère que vous allez apprécier. Alors, comme je l'ai expliqué dans l'intro, j'ai passé une commande sur Bricklink en début de semaine et je viens de recevoir mes paquets. J'ai hâte de pouvoir les ouvrir pour faire sûr que tout est à l'intérieur, ce que j'ai commandé. Alors, j'espère que vous allez aimer. Mais avant de commencer, si vous appréciez cette vidéo, s'il vous plaît, cliquez le bouton j'aime et n'hésitez pas à me laisser un commentaire en bas pour me laisser savoir vos opinions ou pour me poser une question sur n'importe quoi qui a rapport avec Lego ou même à propos de ces pièces ici. Donc, commençons si vous le voulez bien. Alors, je vais commencer avec la plus grande enveloppe. Je vais utiliser la feuille pour faire sûr que tout est là. Alors, comme vous pouvez voir ici, j'ai commandé deux chevaux squelettes qui sont très bien faits. Comme vous pouvez voir, j'aime beaucoup le design, la tête. Ils sont vraiment bien. Ensuite, j'ai commandé ce reel qui pourrait être utile dans mes productions. Ensuite, ici, nous avons cette petite tuile de drapeau arc-en-ciel que je trouvais bien. Ensuite, nous avons cette petite chose qui sont transparentes ici, que je n'ai jamais appartenu avant, qui peuvent être utiles pour les minifigures, pour les placer dans certaines positions. Donc, j'espère de pouvoir m'en servir de façon productive. Ensuite, j'ai commandé ces 26 briques rondes brunes, que je vais me servir pour construire des quenouilles. Ensuite, j'ai commandé cette épée un peu spéciale, que j'aimais beaucoup le look et qui va m'être très utile, j'en suis certaine. J'ai commandé ensuite une tuile en forme de cassette ou de tape, que je vais trouver une utilisation, j'en suis certaine.
J'ai aussi commandé ces 12 barres en beige foncé qui va aussi être utile pour bâtir mes quenouilles. Alors, comme vous pouvez voir ici, j'ai plusieurs types de pistolets que j'ai commandés, de fusils. Ici, il y en a deux de type laser. Ici, nous en avons deux de type revolver, quatre de type carabine, et puis quatre ici qui sont de type mitraillette. Et j'ai aussi commandé deux antennes avec ceci. Ensuite, j'ai commandé cette minifigue de femme conductrice de camion que je trouve va être très utile dans ma ville. J'ai aussi commandé cette tête de minifigue d'homme avec une barbe plus âgée que je trouvais bien. Et pour terminer, les derniers mais non les moindres. Ces deux bras de squelette noir, ainsi que cette tête de minifigure noire. Donc, passons à la deuxième enveloppe. Alors ici, j'ai une fermière et également un fermier pour aller avec. Ici, nous avons cet officier de police des forces spéciales. Ici, nous avons un facteur. J'en avais déjà un dans ma ville, mais j'en voulais un second, un deuxième. Ici, un petit sachet avec des différents pistolets encore, de différents types, de différentes couleurs que je vais ajouter à ma collection. Ici, dans ce sachet, nous avons une cape bleu foncé que je vais utiliser pour mon squelette. Ensuite, j'ai commandé 6 de ces blocs noirs pour mettre les minifigures dessus. J'en avais pas, donc là j'en ai 6. Puis j'en ai un gris dans l'autre collection. Et ce que je voulais le plus dans cette commande, c'est cette minifigue ici. Comme vous pouvez voir, sur son chandail, il y a la face de Timinou. Alors, voici tout ce que j'ai reçu dans ces deux commandes Bricklink. Je suis très contente que toutes les pièces que je voulais sont là. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait et d'activer la cloche de notification pour être mis au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Et comme toujours, j'ai plusieurs vidéos en production pour vous. Alors je vous souhaite tous une très bonne journée et au plaisir de se revoir bientôt.